Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour une balade. C'était pas prévu au programme, mais on m'a dit ouais, écoute, il y en a une, tu veux venir avec, on est temps, allez. Donc on est parti sur une balade. J'appréhendais beaucoup de choses par rapport à son comportement habituel. Là déjà, la montée était plutôt cool, il était calme, c'était plutôt Euskal devant qui faisait le zouave. Moi, il était derrière, il était très calme, très sage. Il marchait tranquillement, il essayait pas de me bousculer pour aller brouter, il essayait pas de lever le cul, rien. Franchement, il était nickel. D'ailleurs, il y a la vidéo va couper à un moment donné, mais la descente a été pareille. D'habitude, c'est impossible de descendre à pied. Là, il est descendu, il m'a pas bousculé, il a juste un peu accéléré le pas dans la descente, mais dans l'ensemble, il était vraiment très calme. C'était vraiment appréciable parce que ça faisait un petit moment que j'appréhendais ce genre de choses, de monter et descendre à pied à côté de lui parce qu'il était vraiment infernal. Alors je vous ai accéléré la plupart des parties. Je vous ai laissé en vitesse normale tout ce qui était plus ou moins intéressant, j'ai envie de dire, les choses qui étaient plus ou moins importantes à mes yeux et que je voulais un peu vous montrer. Donc dans l'ordre des choses, il y aura ma prof tout devant, Prisca, moi, Coco et les autres filles derrière. Je voulais absolument que ce soit Coco derrière moi parce qu'elle connaît mon cheval, elle sait comment il réagit, elle écoute quand je lui dis quelque chose, c'est agréable, donc du coup, je préférais que ce soit elle derrière moi. Et là, ça va être un peu le bordel. Alors, Euskal ne tient pas en place. Le temps de descendre les étriers, de ressangler, ce genre de choses. Elios qui va lui gratter le cul, forcément. Ils sont copains sans être copains. Ah, c'est assez compliqué leur histoire à tous les deux. Voilà, hein, j'essaie de le retenir. De pas qu'il aille pas emmerder en fait l'autre loulou quoi. Alors là monsieur rentre dans une phase où c'est ouais j'en fais qu'à ma tête, tu m'emmerdes, j'ai pas envie de faire ça. Et Euskal était dans la même optique. Ce jour-là, il avait pas envie et il était chaud patate. Pour une fois que Elios était plus calme que Euskal, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Moi je garde un œil sur Euskal hein, parce qu'on sait jamais. Je suis à terre, je suis en danger direct. À cheval c'est encore autre chose. Alors, ils se cherchent tous les deux. Donc là, il me pousse dans un petit fossé. Donc je me fâche et je le remets à sa place. Et j'arrive enfin à monter à cheval. C'était quand même un truc de fou de mettre une demi-heure à monter à cheval, ça m'a gonflé. Enfin, une demi-heure, j'exagère, mais... Voilà. Et bon, je me suis dit, allez, ça va démarrer comme ça, comme les autres balades, ça va être chaud patate. Il va falloir le retenir au maximum dès le début pour pas qu'il parte au galop. C'est des choses qu'il me faisait souvent. Justement, je me bats avec lui en balade parce qu'il veut passer devant tout le monde, il fait son fier, il fait son machin, c'est oh, moi je veux y aller. Et bah là déjà, il est calme, il attend.
il n'essaye pas d'avancer. Il a sa grosse touffe d'herbe dans la bouche, donc je pense que ça doit aider quand même. Donc voilà, tout le monde prend sa place et on est parti. Alors on le voit, hein, j'ai les rênes détendues. Je lui laisse quand même toujours le bénéfice du doute. Est-ce qu'il va se tenir calme ou pas? Je suis toujours prête à rattraper mes rênes et à reprendre un contact sérieux pour le remettre à sa place. Mais là, rien. En fait, juste bien, quoi. Il peut bouger sa tête, il galère avec sa touffe d'herbe dans la bouche. Mais il est au pas, il est à sa place, il est tranquille. Alors là, il y a quand même un écart qui se creuse entre nous. Et ça, en général, dans les autres balades, c'est le feu vert à toutes les conneries. Dire je rattrape les autres, je speed un peu, et puis au passage, j'essaye de doubler. Et là, rien. Mais rien de rien. Là, pour le coup, déjà, rien que sur le début de balade, je ne reconnaissais plus mon cheval. Alors il tourne beaucoup ses oreilles, hein, il entend les deux chiens. On a Win et Guigui avec nous. Il commence à connaître les bruits. Et il a vu qu'on avait les deux chiens, donc ça va. Ça passe un peu mieux. Mais c'est vrai qu'en général, quand il ne voit pas les chiens de suite et qu'il ne sait pas lesquels sont avec nous, il stresse un peu parce qu'il entend les bruits dans la forêt, mais il ne les voit pas. Et là, il a très bien vu les deux chiens, il est calme, il est cool. Il y aura juste sur le retour, où je ne l'ai pas en vidéo, où il va lever le cul envers Guigui parce qu'il va descendre comme un bourrin de la forêt. Il va descendre un petit talus dans les feuilles mortes. Et vu la couleur qu'il a, ça passait un peu inaperçu. Elios s'est un peu excité et a levé les postérieurs en direction de Guigui. Il ne l'a pas touché, mais c'était juste pour dire « Oh, j'ai peur là, là tu m'as fait peur ». Là, on va accélérer le mouvement, hein. Comme dit, on est quand même au pas pendant un certain temps. Comme d'hab, hein, toujours dans la même optique, bien chauffer les chevaux avant de démarrer le trot ou quoi que ce soit, toujours être bien dans les normes.
là, on va démarrer notre premier trot. Ah non, même pas, c'est même pas là, je suis bête. En fait, là, on était au pas. Elios a un peu accéléré, s'est mis au niveau de Scal. Et les deux se sont restés côte à côte sans trop de difficultés. C'est pour ça que j'avais baissé un peu la vitesse. Enfin, j'avais remis la vitesse normale. C'est vraiment, voilà. Là, il était un peu stressé parce qu'il y a Black qui est derrière. Un peu trop près. Mais sinon, entre Scal et Elios, ça se passait plutôt pas mal. C'est plutôt agréable de les voir comme ça tous les deux. De voir que Euskal reste tranquille par rapport à Elios et que Elios n'essaye pas de passer devant. Voilà, il est là, il est à sa place. On est en décalé. Quand il est derrière, il garde toujours un espace entre guillemets de sécurité. Mais c'est plutôt correct. Donc voilà, hein, premier trot, donc Elios se lance d'abord dans un petit trot, puis un petit galop. Alors je l'essaye de le refaire passer au trot gentiment. Mais son trot est tellement court, il n'arrive pas à l'allonger encore correctement. Donc du coup, il a tendance à faire quelques petites foulées de galop en même temps. Et voilà, hein, il garde ses distances de sécurité, je le tiens pas trop serré. Un petit freinage brusque. J'essaye de pas trop lui tirer sur la bouche, j'essaye de le faire en sorte qu'il réponde au pas, à la voix. Là, il a essayé de rattraper Euskal, donc il a fait quelques petites foulées de galop, puis il s'est remis dans son trot. Toujours en gardant cette distance de sécurité avec Euskal. Et ça, il le fait quasiment tout seul. Hein. C'est vraiment appréciable pour le coup. C'est que j'ai pas besoin de lui railler sur la tronche pour une fois pour qu'il reste à sa place. Alors j'essaye toujours d'anticiper un peu les freinages devant moi. Donc quand je lui demande de ralentir, il a tendance à lever sa tête. Mais dans l'ensemble, il reste correct. Hein. Il aurait la possibilité de passer comme un taré pour doubler, il ne le fait pas. Et donc là, hein, scène un peu récurrente, dans chaque balade on en a une. D'ailleurs Prisca est habituée. Euskal ralentit, s'approche d'Elios, Elios passe devant, et au moment où elle doit repasser, Elios lève le cul. Son réflexe, mettre sa jambe sur l'avant et éviter Elios au maximum. Voilà, fallait que ça arrive, c'est arrivé. Elle commence à le connaître, donc elle anticipe assez facilement les levées de cul. Après, dans l'ensemble, cette balade, elle est vraiment géniale. On est en forêt, il fait beau, il fait chaud, on est au calme. Par contre, voilà, j'aurais apprécié plus cette balade si on avait été que toutes les quatre. Donc, avec ma prof devant, Prisca, moi et Coco. Derrière, les trois filles qui nous suivaient, ça n'arrêtait pas de hurler. C'était limite chiant, ça perturbait beaucoup Elios.
Ça voulait galoper à tout bout de champ, sauf que ben voilà, hein, le fait que moi j'ai un jeune cheval, ma prof elle a un cheval qui a tendance à tousser assez rapidement s'il fait trop d'efforts. C'est quand même un cheval qui est relativement âgé maintenant. Pareil pour Coco, hein, elle a un cheval qui se fatigue assez rapidement. Donc on essaye de garder un rythme à peu près correct, sans trop se stresser. Et les filles derrière n'arrêtaient pas de brailler, n'arrêtaient pas de vouloir passer au galop. La moindre petite montée, c'est « Ah, on monte au galop, machin !» Oui, mais non. Non, moi j'ai un jeune cheval, si c'est pour le bousiller d'entrée de jeu, moi je préfère encore rester à l'écurie dans ce cas-là. Aurelius, il fait du galop, ok, c'est bien, mais il va en faire deux, voire trois grands maximum, sur de courtes distances. Tout au long de la promenade. Le reste, ça sera du pas et du trot. Et ça, elles ont du mal à le comprendre. Ah, elles sont là, elles sont dans leur euphorie, elles sont contentes. Ah, c'est... Ouais, il faut donner, quoi. Et j'ai l'impression que deux sur les trois gamines de derrière n'avaient envie que de ça, en fait, de faire galoper leurs chevaux. Ah, nous, on n'est pas dans cette optique-là. On est là, en balade, on est tranquille, on profite... du beau temps, du calme de la forêt, enfin tout du moins on a essayé. Et vraiment d'être tranquille, quoi. Je crois que c'est la seule chose que j'ai vraiment regrettée sur cette balade, c'est vraiment qu'on soit trop. On n'aurait été que quatre, ça aurait été vraiment top, du feu de Dieu. Mais bon, après... J'ai quand même été impressionnée par mon cheval qui restait très calme. Il m'a fait voilà, deux, trois petits coups tordus, mais c'est pas. Je veux dire, sur l'ensemble de la balade, c'était juste magique. Là, j'ai rencontré une nouvelle facette de mon cheval. Alors là, pareil, hein, on est au pas, on est au calme. Il y a plein d'herbes autour, il n'essaye pas de forcer pour y aller. Il n'est pas plus en stress que ça. Il n'a pas besoin d'être collé au cul de Scal pour être tranquille. Mais pour le coup, le fait de changement de direction, ça va un petit peu l'exciter.
Et dans la précipitation, il va s'emmêler les pinceaux et trébucher. Alors là, ça dure un dixième de seconde. Quand j'étais dessus, j'ai eu l'impression que ça avait duré une heure. Le fait de le sentir descendre, trébucher, puis atterrir sur les genoux, ça m'a quand même un peu choquée. Donc je demandais quand même à Prisca s'il avait rien, si elle voyait rien au niveau de ses genoux. Et on a encore revérifié après quand on est arrivé à l'écurie pour être sûr qu'il avait rien, quoi.